Je voudrais garder l'espoir et me dire que tout ça n'est qu'illusion, qu'enfin je pourrai vivre à nouveau comme avant, pouvoir découvrir le monde. Pour moi, c'est faire beaucoup d'efforts de rester seule dans mon château fort, car ça me coûte attend d'être libérée. Et je sais bien au fond de moi, je donnerai tout ce que j'ai pour faire comprendre que je ne veux que vivre. Je veux vivre, 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 vivre aussi fort que je peux. Vivre, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils nous ont dit, attends, c'est qu'un virus qui restera chez eux. Mais là, ça arrive, ça contamine, ça effraye, ça saccage nos vœux. Ça enferme des millions de gens à huis clos, le confinement. Tout s'éteint d'un coup et on voit le monde et la vie différemment. Plus aucun droit de s'approcher pour ne pas se contaminer. On doit passer la journée à tout désinfecter, sortir masqué, effacer tous les sourires, arrêter de s'amuser. On a arrêté de rire. On a oublié le principal, c'est d'exister. Vivre. Je veux vivre. 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 Vivre aussi fort que je peux. Vivre, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant que cela dure et ma tristesse me consume, je ne vois pas l'issue de cette torture et il faut déjà que j'assume. Pourquoi sacrifier ma jeunesse pour un gouvernement malhabile? Je rêve d'avant et je vacille, car depuis plus rien n'est facile. Vivre un peu, vivre encore, vivre heureux, vivre plus fort, vivre pour eux, vivre à tort, c'est périlleux de vivre encore. Alors c'est vrai, ça me perfore, vivre en dansant, vivre normal. Évidemment, ça me dévore, car je veux vivre mon idéal. Et j'avance à petits pas, car j'espère qu'un jour prochain ça finira. Des attentes, je n'ai que ça. Respirer libre au grand air, avoir la force, car je ne peux plus subir tout ça. Et si mes mots dérangent, c'est pas de ma faute, car je n'ai rien demandé. Il y a des jours plus durs que d'autres, et si mes mots vous gênent, j'y suis pour rien, j'y suis pour rien, rien, mais...